bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé, Pudding and Camembert avec Damned. Salut Damned! Salut tout le monde! Et on se préparait donc à un éventuel petit moment difficile, n'est-ce pas? Oh oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, de gestion, la pause. Hein, pas... Oui, de gestion. Précisons. Entendons-nous bien. C'est important, on a plein de gens qui gueulent, plein de gens pas contents. Moi je suis à combien de surexpansion au final? 250 de surexpansion. C'est pas mal. Je sais pas si j'ai déjà fait autant dans une partie de U4 honnêtement. Alors la flotte américaine elle retourne aux Amériques. La flotte qui est là, elle va retourner à Londres, mais à mon avis ça va gueuler hein. Alors on a que 2 de stab, ça serait peut-être pas mal d'en avoir 3. On est où? Une rébellion en Corse, faut prendre les bateaux et tout, c'est chiant. Sympathie pour les séparatistes. Ah, ici il y a une bataille, je sais pas contre qui, mais ils sont morts en tout cas. Allez, boum. Ici, vous êtes posé, hop, vous avez qu'à aller jusque là, non vous pouvez pas. Là. Ah oui, il faut faire tout le tour du coup. Eh bah oui, niveau... C'est quoi ça? Forte demande pour la compagnie des Flamands. Les conflits qui ravagent notre région du monde et les mercenaires trouvent toujours de l'emploi. La compagnie des Flamands doit être très sollicitée. Lorsque ces hommes rentrent chez eux dans la province de Bruges, ils ramènent non seulement leur sol, mais aussi tout le butin. Cet afflux de richesses stimule grandement l'économie locale et incite toujours davantage de volontaires à entrer dans la compagnie. Davantage d'or n'est pas un mal. Ou alors, gain de 1 sur les réserves militaires. Bah oui. Ah, des séparatistes danois qui se soulèvent. Donc vous, vous allez vous occuper des 50 000 qui sont là. Et eux, ils vont aller s'occuper des danois. J'enlève la pause. Tu peux. Hop. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un mec agitation moins 2 dans le pays? On a déjà un mec agitation moins 2 dans le pays, très très bien. Faisons ça alors. Alors, on pourrait adopter les Castillans, mais je suis pas bien convaincu de l'intérêt. Seulement 1% de Castillans. Si on pouvait plutôt accepter ce genre de... Ce genre-là, ça serait plus cool. Alors, ça va péter. Hein. Ça va grave péter. Des révolutionnaires se sont soulevés un peu partout. Ah oui, oula, oui, oula, oui. Ah bon? Oh bah regarde. Ah oui, la vache. Des révolutionnaires quoi. Genre je pensais que c'était fini mais non non, on a encore Eh bah apparemment. Ah bah très bien, mais je vais pas avoir de quoi m'ennuyer là. Ah la vache. Ah oui, puis ah en ouais, plus 47 077 4. Putain. Ouais, t'as besoin ça va que être je file un coup de main peut-être. Bah si tu veux en gérer 2-3, écoute, j'ai envie de te dire que... Fais-toi plaisir. Ah écoute, je vais normalement libérer 45 000 hommes, bon un peu morts là, qui souffrent un peu, parce qu'ils sont en train de gérer 50 000 hommes à eux tout seuls, mais je pense qu'il y a moyen derrière qu'ils soient disponibles. Ouais par contre, mais je vais essayer de gérer, bah tiens, les 49 qui sont là, là. Moi qui mettrais une armée juste en Italie, c'était pas le meilleur endroit. Hein. Les mouvements, c'est vraiment la merde par contre. Ouais, je fais tout le tour là. Oh putain, ah merde, j'ai quelqu'un qui a pété ici. Ah mais je peux même pas y aller. Je peux même pas y aller. Ils ont l'air assez résistants quand même. Hein. La vache. Alors est-ce que quelqu'un ici m'accepterait que je passe? Ça m'étonnerait. Hein. Accès militaire. Non, ils veulent pas. Hein. Je fais des petits cons. Bah je crois que Leipzig va se libérer. Et ils sont vraiment pas simples à battre hein. Ah oui, il faut être en surnombre quoi. Ah et ça continue de péter ailleurs, je ne sais pas où. Ça pète de partout là. Ouais bah en même temps on s'y attendait hein, faut pas non plus se mentir. Hein. Non c'est sûr mais... Oh la vache quoi. T'as jamais... Ah mais t'avais peut-être jamais géré de surexpansion de ce niveau là. Je pense que à ce point là, non. Ah ouais parce que moi ça j'ai déjà fait et oui c'est classique, c'est la violence comme ça là. Un marchand assassiné. Ah merde, il y a des marchands qui sont assassinés. Ouais, et puis là j'en ai de plus en plus qui viennent se rajouter
Des têtes vont tomber, mais pas la mienne, j'espère. Ah, je sais pas si c'est un truc... Ah ouais, putain, 38, 49 000, là. Bon, je vais m'occuper des rebelles tous sur ta droite, là. Je vais être honnête que je sais même pas si je suis arrivé à tous les gérer. Écoute, on va prendre le temps, hein. D'ici qu'ils arrivent à révolutionner tout le monde, ça va, quoi. Bon, on va prendre un point de stab, nous, par contre. On n'a pas assez de points. Je me suis fait stack wipe des troupes ou quoi, là? J'ai l'impression que oui, mais... Parce que pourquoi pas se faire stack wipe, j'ai envie de te dire. Alors ben, attends, ouais. Les trucs qui sont soulevés dans les colonies, ils sont où? Ils sont là. Où est mon armée des colonies? J'ai une armée normalement dans le coin. Non, je l'ai rapatrié. Merde, elle est où? Ah! Bordel, j'ai perdu mon armée. Ah oui, elle est là, c'est vrai. Elle est ici. Un commandant. Boum. Mais c'est l'enfer du cul, ce truc. C'est l'enfer du cul. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu, hein. Ah non, mais je te confirme, si tu connais pas ce genre de truc, oui, c'est carrément, ça peut être la violence. Ah hein, ouais, ouais, ouais. Bon, le siège à moins 92, je pense qu'il tombera pas d'ici que j'arrive, donc on va pouvoir leur débarquer sur la tronche. Alors maintenant, ici. Une révolte. Ah, et puis alors moi, quand ça pète, mais ça pète dans les colonies partout, dans tout le monde entier, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ici, il va falloir qu'on libère des gens, là. Il faut aller s'occuper d'eux. Là, vous... Vous repliez par ici, pareil, il va falloir deux armées pour s'occuper de ça. Et bien évidemment, j'ai personne hein, qui me donne des l'agitation en moins, hein, parce que sinon, voilà. Oh putain. On a des séparatistes béninois, c'est au Bénin, ça. On est toujours à 250, mais ça avance. On a perdu quelqu'un. Ah, on a perdu notre mec qui donne moins 2, forcément. Prestige annuel, puissance des missionnaires, non, mais ça dégage tout ça. Donnez-moi un moins 2 d'agitation. Hein. Alors ici, il va falloir que j'attende de me refaire un peu avant d'attaquer, parce que ça va pas passer sinon. Allez, là, on tombe sur eux. Ah, ça va, t'as déjà nettoyé une bonne partie là. Ouais, il me manque... Ah mais t'en as aussi toi ? Moi c'était particulariste moi. Ouais d'accord, mais bon. Enfin en tout cas pour l'instant. Il me reste du gros à gérer en Italie quoi. Des fanatiques animistes quoi, sérieux. Il y a eu une victoire, c'était où ? Ça devait être là-bas. C'était là, est-ce que c'était là ? Oui, c'était là, parfait. Vous réembarquez, boum. Et on débarque là-dessus. Ok, ici c'est géré, on dessiège ça vite fait. Ce qui m'emmerde, c'est Leipzig là, j'ai oublié de prendre Goslar, du coup je ne peux même pas. Je peux même pas le gérer. Ah, mais du coup, t'as été occupé des 45 000 que j'attendais de. Ah, pardon. Bah oui, du coup. Non, oui. Bah écoute, ça me va, hein. Du coup j'ai besoin de troupes pour m'occuper des 80 000 lama qui traînent, donc... Fait, je devrais pouvoir finir de gérer, là. Hein. Tranquillement. Allez, en avant. On vient là. Comment ça se passe, sympathie pour les séparatistes? Bah oui, logique, hein. Alors, là, il y a une bataille. Allez, wow, 58 000 qui viennent de se rajouter dans le Bessin. Ils sont 53 000 là. Tu veux pas? Mais toi, mais qu'est-ce que tu fous? Fais demi-tour. Voilà, arrête-toi là. Renforce-toi. Eux, on va attendre qu'ils crament un petit peu de à droite à gauche. Ici, ça se passe comment? Ça se passe qu'il faut que tu me gères tout ça, toi. Hein. Démerde-toi comme tu veux, mais. Tu me gères, c'est. Tu me nettoies, c'est con. Ici. Ah merde, putain. Ici, on n'a pas pu. Débarquer parce que il y avait du monde. Non mais sérieux, vous êtes pas rentré dans les bateaux? Mais pourquoi? On n'a pas le temps de glander là.
Sérieux. Bataille de l'île, c'est fait. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est fait. Allez, ici, on va pouvoir leur tomber dessus, là, en masse. Allez, boum, on y va. Ah oui, mais ça a pété là aussi. Allez, vous, vous embarquez les bateaux ici. Là, c'est une victoire. Ça nous a coûté un peu cher. On est encore 71 000 quand même. Toi, tu vas là. Ici, on va se mettre en position pour leur tomber dessus. Une révolte, ah non. Viens ici, toi. Ok, bon, là au moins il fait le taf, lui. Ici, on leur débarque sur la tronche, on les défonce. Ah merde, ça a pété chez moi aussi. Forcément en même temps, hein, vous me direz. Ici, faut qu'on s'en occupe, du coup. La pop-up, t'es gentil de pas apparaître devant moi au moment où je déplace mes troupes, s'il te plaît. Ah, il y a une éclatée à Rome où il y avait déjà une révolution, il y a des révoltes qui se battent entre eux, quoi. Révolutionnaire contre séparatiste pontifical. Elle sait dire à quel point c'est le n'importe quoi. Oui, j'avoue que là, ça part en couille. Hein. Allez, chopez-les. Bon, cela dit, je devrais arriver presque au bout. Ouais, ça va, ils sont pas très costauds. Voilà, les provinces commencent à être un peu plus joueuses. Alors là, oh, c'est du pécor, c'est du séparatiste, on devrait être capable de les défoncer. Ici, tu cliques sur cette armée, tu débarques à Londres. Ils sont 40-80 000, on s'en fout, on débarque sous leurs pieds. Rien à battre. C'est la réserve militaire hein, qui va hurler là par contre. Hein. Ah ouais, moi je suis plus qu'à 82 000. Hein. Ouais, bah moi je suis à 12 000 et il m'en manque 115 000. Clairement là, c'est la merde. Même en Islande, ils se libèrent, quoi. Ils se soulèvent. Bon, alors, il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est augmenter l'autonomie locale. Voilà, tous les endroits où ça gueule, là. Ouais, c'est en plus, ça gueule plus tant que ça chez moi, ça va, en fait. Vu tous les endroits où ça s'est déjà soulevé, tu me diras. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai aussi peu de provinces? Je devrais avoir plus de provinces. Ah, c'est les provinces où il y a des rebelles, peut-être seulement. On peut peut-être reprendre un petit point de stab. On en est où niveau point de puissance cléricale? Très loin. Ok, on paye. Hop, voilà. Et on a des conversions à faire. C'est bon. Tant qu'à faire, autant conversionner. Au niveau des... Hop, on voit un dans les pays outragés. Ça donne quoi nos compétences? On est remonté un petit peu en réputation diplomatique, donc notre annexion avance, mais c'est hyper long. Ici on embarque et on va débarquer par exemple par là-bas. Bataille de Londres, c'est une victoire. Bien joué. Tiens, toi, débarque donc à Londres, plutôt. Oh là là. Normalement, j'en ai fini avec ma révolution. Normalement. Jette un œil vite fait. Moi, du coup, ça ressemble à quoi, là? Ça s'est calmé, l'agitation. C'est plutôt parfait. Allez, pointe-toi à la haie, en avant. Là, ça donne quoi? Où est l'armée? Elle est là-haut. Ok, fait le taf. Ici, on s'est débarrassé des mecs. On va donc pouvoir foncer ici pour s'en occuper. Voire même là-haut, là. Peut-être plutôt là-haut, ça sera fait. Et c'est qui est le plus avancé? Indépendance de AC. C'est où ça? Savoir où c'est.
Non, on peut pas. Benkulu. Bengekulu. D'accord, c'est là. Ok. Bon. Visiblement, tu vas avoir un peu de taf, toi. D'abord, on va s'occuper de débarquer là. Non, peut-être plutôt directement là. Allez, viens là. On va s'occuper de cela. Ce sera fait ici. Ouh putain, ça a bien pété aussi là. Rébellion Jacobite. J'ai trop de points militaires. Oui, bah tiens. Qu'est-ce que t'as fait ? Toi, tu gères ça, après tu gères ça, après tu gères ça, après tu gères ça. Voilà. Tous les bateaux là. Ils vont là, merci, au revoir. Ici, il faut qu'on leur tombe dessus. Là, vous vous embarquez. J'ai encore. Crémon, c'est où ça ? Province occupée par les rebelles. Ah oui, d'accord, ils ont encore une. D'accord. Eh ben. Ah, ils résistent. Non, mais j'avais pas vu qu'ils avaient. En fait, je comprenais pas pourquoi la rébellion était encore là. C'est parce qu'ils ont encore un territoire, en fait, que j'ai pas repris. Je l'ai pas vu. Perdant en stab. Mais oui, quelle bonne idée. C'est bien le moment, je pense. Alors, combien on est ? On a besoin de 44 000 hommes et on en a encore 46 000 réserves. Ça ne va pas passer. Je tiens à le dire, ça ne passera pas. Ça va être compliqué. Encore une révolte. C'est bon, Rida, là. Les sièges au Parlement, ça commence à bien faire. Là. Alors. Ici, on leur saute dessus. Ici, on leur saute dessus. Plus c'est un fort, donc on va les défoncer, c'est de la populace. Ici, il y a un fort qui va s'occuper de dessiéger pour nous. Ah oui, ici, il y a des particularistes qui tapent sur des partisans du prétendant. Ah, bah voilà. Ça, c'est des gentilles personnes. Ah bah vous, putain. Vous embarquez et vous allez à l'Océane direct. En plus, c'est les partisans qui gagnent alors qu'ils sont trois fois moins nombreux quoi. Ah merde. Ah bah ça c'est bien calmé moi. Mais je viens juste de me barrer ici. Cabinet des curiosités. Ouais, on fait notre propre cabinet, pas de problème. Allez, là on les cerne, on leur tombe dessus à 3 x 30. Ça devrait les calmer. Qu'est-ce qui se passe ? Xingxi, la terreur des mers de Chine. Encore une amirale ? Ah, au fait, j'ai pas regardé, mais j'ai pas mon mec avec moins 2 d'agitation dans le pays ? Si, viens là, toi. Hop, on te monte, on te monte, on te monte, et on te monte. Voilà. Il nous faut du point admin. Alors, ici, on attend que la bataille se termine. Ah, c'est excellent, rien de sur l'Otienne. Il y a les deux mecs qui sont en train de se taper dessus, puis il y a mon armée à côté, pépère, qui attend tranquillement que ça se termine. C'est où ? L'Otienne, c'est en Écosse. Ah oui, je me disais. Ah oui, il regarde de loin. Ouais, on est posé dans le fort, on a débarqué dans le fort, puis on mange du popcorn en les regardant. Tu me... Vends une province, ok. Là-bas, la fameuse. La fameuse, ouais. Toc. Ça tombe bien, mon expansion agressive était bien retombée. Mine de rien, on a quand même moins 2 d'agitation dans le pays, hein, c'est propre. Hop, j'enlève la pause, on va regarder là. Je suis plus qu'à 1, je suis plus qu'à agitation, je suis plus qu'à plus 1. Ah, mon armée a disparu. Ah, mon armée s'est intégrée aux partisans du prétendant. Non, aux particularistes. Non, aux partisans. Ils étaient 5 000, ils sont 40 000. What ? Mais...
J'ai jamais vu ça. Bah ouais, surtout qu'on est en train de se faire défoncer du coup. Bah oui, ça veut dire la défaite en plus. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Surtout que les mecs, tu sais, ils font la bataille avec eux, t'imagines, voilà, ils ont perdu, ils disent, bon bah, quoi, maintenant on se retourne, allez, boum, voilà, bon bah ok, très bien. Eh ça va, vous allez peut-être pouvoir me les tuer à plus vite que 56 par 56 quoi. Mais j'imagine trop, tu sais, si vous aviez gagné, les mecs ils gagnent, ouais, trop bien, on a battu les rebelles, et puis après t'attends un mec qui fait, ouais, mais au fait, on était venus pour vous buter, ils retournent leur fusil. Mais au fait, c'est nous les rebelles. Mais non, c'est nous les rebelles. N'importe quoi. Ah putain, le truc y a pas de sens. Ah putain. Bon, là ça a pété un peu, ici c'est stabilisé, ici ça se combat mais c'est pas moi. Donc il reste plus que là je crois, non, ici il doit rester en Afrique, là c'est encore le bordel, non? Ouais, on va dire que l'armée se débrouille. Quel enfer. Les 45 000 hommes sans commandant qui, tant bien que mal, sont en train de gérer l'intégralité de l'Afrique à eux tout seuls, quoi. Ils s'en sortent bien. Ouais, pour l'instant, ils s'en sortent bien. Ils ont géré déjà 4 rébellions ici, là, ils sont en train de gérer le reste. Alors, ça s'est soulevé ici, mais ça a été géré par la frise. Donc, il reste plus que les 28 000 hommes. Les 28 000 hommes, là, de Leipzig, mais on va devoir les laisser, faire. Hein. Ah non, il y a l'Islande. C'est les séparatistes islandais, ça, hein, foutez de ma gueule. Il y a l'Islande encore à gérer. Ah ouais, il y a l'Islande. Oh là là, quel enfer. Allez les bateaux, on embarque direction l'Islande. Alors quelqu'un avec un commandant en tant qu'affaire. Les protections du commerce, on s'en fout un peu. Ici ça a été géré, notre flotte est revenue, parfait. Il n'y a pas une colonie qu'on a profité pour décider de se barrer. Hein. Ils sont sages alors. Ouais. Et obéissants. Je peux rien faire, de toute façon je peux pas y aller. Allez, on embarque. Direction l'Islande. Ensuite, là-bas, qu'est-ce que ça donne? On a débarqué. Ils sont partis où les mecs là? Ils ont dû traverser, se faire défoncer la tronche. C'est parti et ça sonnait, ouais, ils ont dû traverser, se faire défoncer la tronche par le mage Abaït. On va pas s'en plaindre, hein. Bah bon, non. Là, si je dézoome un peu. Il reste ceux qui sont là-haut. Commerce du coton, c'est cool. Ici, on va aller débarquer en Islande tranquillement. Ah, ça va, ça nous aura même pas tenu un épisode au final. C'est vrai. Large. Tiens, du coup, j'ai adopté les deux lois que j'avais jamais fait parce que la propagation des institutions était en malus. Ça fait plus 1,5. De puissance des missionnaires. Ah oui, oh bah moi je pense que je les ai prises moi. Est-ce qu'il y a des trucs à convertir chez nous? Ouais. Je les avais pas prises du coup mais. Standardiser les uniformes. Ouais, je vais le prendre aussi. Je l'avais jamais fait. Oui, non, je les avais pas pris, t'as raison. Bah je viens de m'en rendre compte en fait. Pourtant. Allez, ça va faire un petit peu de... Ça va aider un petit peu nos conversions des protestants, là. Il y a des gens qui se retirent de la coalition, sérieux. Ils comprennent que nous ne constituons plus une menace. Tu parles, on vient d'écraser 90 000... Enfin, d'ailleurs, peut-être plus proche des 900 000 que des 90 000, mais... Alors, ici, on a le commerce de pierres précieuses. Oh, c'est plaisir. En plus, c'est chiant parce qu'ils apparaissent pas sur la map. Ouais, voilà, il y en a ici, là aussi. Faut qu'on y aille après. Bon, lui, on va le laisser finir de dessiéger tranquillement. La flotte qui est là,
hop, voilà. Ici. On dessiège ça. Là, du coup, il faudrait qu'on revienne un peu dans le coin. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça a un peu calmé la populace. Hein. Il n'y a plus personne qui gueule, là. Ils sont bien pris quelques tatanes dans la tronche. Alors, ici, maintenant, il faut qu'on débarque là. On va leur donner l'ordre de gérer les rébellions. Ils vont se démerder. Ah, quoi qu'on peut peut-être pas aller là-bas. Bah, je paye, tu me demanderais pas un accès militaire, hein, non. On est d'accord. Écoute, tu ne me donnerais pas un petit accès militaire non plus. Bon. Ces gens qui ne m'aiment pas, je ne comprendrai jamais. Tu es le mal-aimé. Mais tellement. Ça arrive, mon pauvre. Ça arrive. Ouais, ouais. Alors, est-ce que l'IA, il va à 45 000 contre 67 000 ? Excellente question. Il y a des sièges déjà. Il faut qu'on aille chercher quelques renforts hein, éventuellement. Mais... Toi t'en es où? T'avances bien, il reste deux provinces tout là-bas à dessiéger. Ici, c'est bon. Ici, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, on s'est fait encore plus de thunes. Finalement, on va s'en tirer sans tomber à zéro de réserve. Hein. Bien joué. On est à 3000 de réserve, il reste plus que 352 hommes à remplir. Mais on n'a pas fini encore. On a encore une armée de 67 000 et une armée de 60 000 à dégager. Oh l'événement quoi. Nos capitaines sont parvenus à capturer un certain nombre de contrebandiers. Le truc c'est, pourquoi refuser quelques ducats, gain de 6000. Oh la vache. Quelques ducats alors, allons-y. Hein. S'il y a que ça. Alors lui il est parti, je vais peut-être libérer une armée pour aller m'occuper de ça quand même. Ceux qui glandent là. Anticléricalisme. Ouais, allez boum, c'est bon. Bah vous du coup, c'est parti, c'est pour vous. Les fanatistes animiques se sont soulevés en Pernambouc. Tes souhaits. À tes souhaits. Oh, c'est une province dans les colonies. On va s'en occuper en speed. Ah, parce qu'on était en train de convertir, c'est pour ça qu'ils sont pas contents. Bon, là, il va falloir le bateau pour aller dessiéger ces trucs-là. Là. Convertissons une province. Verden, allez, après tout, les mecs qui gueulaient pas assez, on va aller les convertir, ça leur fera les pieds. Il reste toujours, ouais, il reste fixé, eux, hein. Va falloir qu'on leur tombe dessus à 45 000, tant pis, on va cramer nos réserves. On peut mettre combien de troupes dans cette province? 58 000, ouais, bah, vous pouvez rester là un petit moment. Alors, ils viennent vers nous. East London? Ah oui, ça s'appelle East London, cette province. Ok, pourquoi pas. Alors, la bataille. Ouais, ils résistent, hein. C'est bien ce que je craignais. Ils résistent. Ah putain, puis c'est nous qui avons le malus en plus. On aurait pu gagner si on n'avait pas eu le malus, je pense. On va peut-être gagner quand même. Grâce à la capacité de notre commandant. Et c'est une victoire. Et bah, il nous reste plus que 11 000 hommes. Donc clairement, on va tomber à zéro de réserve par contre là. Mais bon, 45 000 contre 67 000, c'est pas si mal comme résultat. Bah ouais. Je m'absente une petite seconde, je reviens. Mais continue, ouais. Hein, laisse en lecture, hein, je mets ce qui se passe. Ouais, non, c'est bon. Non, okay. Pff, pas du tout, je reviens.
Où est rendue la flotte, la Royal Navy là? Tu te bouges? Si on te mettait un commandant qui se bouge. Allez hop, Jérémy là. On avance, secoue-toi les puces, on a des gens, on les tuer. Certains rebelles sont sur le point de parvenir à leur fin. Merde. Ah oui, c'est vrai que ça avance. Hein. Hop là! Indépendance de Espagne. Faut être sérieux. Alors, on va falloir qu'on regarde ça. Colonisateur puissant, on s'en fout. Plus de marchands, coup des conseillers, les bourgeois gagnent en loyauté. Vitesse de recouvrement des marins. Ouais, bah faisons ça. Ouais, ça on s'en fout. Acheter un parlementaire, on paye. Ça non. On perd un peu de prestige. On perd du mercantilisme. Acheter un parlementaire, on paye. Commandement naval, on prend. Accorder des titres, un peu de légitimité. Putain, ils veulent pas lâcher les mecs. Hein. Allez. Boum. On ignore la corruption. Allez, voilà, ça c'est fait. Bon, ici on y est presque. Là, on termine le siège. Il va falloir qu'on aille débarquer très vite là-bas. Bon ben voilà, tout rentre dans l'ordre. Ah, c'est pas encore stabilisé chez moi. Ah, ça y est, moi c'est stabilisé. Les armées sont au complet, je recommence à regagner des réserves. Piouf, c'était dur mais on y est arrivé. Bah moi, il ne reste plus grand chose à buter. Par contre, s'il y a besoin, je suis là. Hein. Oh la vache, il me reste plus que 16 000 hommes dans cette armée après avoir traversé jusqu'ici. Tiens, bah d'ailleurs, je vois que t'as 28 000 séparatistes à Leipzig. Ah, mais je peux pas y aller. Ouais, bah non, moi non plus, c'est ça le problème. Eux, je pense qu'ils vont gagner, à mon avis. Enfin, à moins que toi, tu puisses négocier un passage, mais ils nous détestent tellement que. Je pense que c'est mort. Il n'y a personne qui me laisse passer nulle part. Ah, je peux pas passer chez. Bah, la frise encore, elle me le filerait, je pense. Et Goslar, peut-être pas. Demander l'accès militaire de Goslar, non, c'est mort. Ah bah oui, non, bah ouais, c'est le truc, ça pue ça. Ah non, non, il nous déteste, on est d'accord. Bon bah là, il va falloir ouais, refaire les troupes bon. Avant d'y aller. Ici, on a fait le taf. Ici, bah démerdez-vous, allez, hop, en avant. Dessiégez-moi ça. Alors... Je vais faire un petit point sur les rébellions là. Indépendance de Brunei. Ils ont deux trucs, ça va se gérer. Les Bermudes. Les Bermudes? C'est pris les Bermudes? Merde, j'ai un truc sur les Bermudes. Ah les cons. Ah les cons. En avant, aux Bermudes. Un commandant. Bah toi tu t'entraînes, t'as peut-être mieux à faire. En avant. Bon, ça nous aura pris quand même un épisode, je vais pas dire le contraire. Guerre civile chez les Khmer. C'est terrible. Ok, là ça se dessiège. Là c'est bon. Là c'est terminé aussi. Tu vas où là? Non, tu vas ici. Tu vas ici? Tu vas là? Je t'ai dit. Voilà. Ferrari veut passer. J'en ai rien à foutre de Ferrari. Moi aussi je refuse parce qu'ils veulent pas me laisser passer moi. Je vois pas pourquoi moi je les laisserais passer. Bah tiens, mais où ? Pas déconner non plus. Alors les Bermudes ça va se gérer. Ensuite, l'indépendance de l'Espagne c'est bon, l'indépendance de Saxe, on va devoir les laisser faire. Ensuite fanatique fétichiste, fanatique animiste, là on peut rien en faire, ok très bien. Ici c'est fait, parfait, on retourne là. On a trop de points. Attends, on a du retard dans les techs quoi. Incredible. Et du coup on peut prendre une nouvelle doctrine. Mm-hmm.
Et bah je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais prendre arrivé à ce niveau-là du jeu. J'ai pris la religieuse moi pour dire. Ouais. Bah je vais laisser les. Vu que là on va. S'arrêter là. On va arrêter l'épisode tranquillement et que c'est le dernier de la semaine. Je vais vous laisser me dire dans les commentaires ce que vous pensez que je pourrais prendre comme doctrine. Et puis bah d'ici le prochain tournage, on va tâcher de lire vos commentaires et de gérer ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va en terminer tranquillou avec nos rebelles. Je vais lancer juste là le débarquement, comme ça j'oublierai pas. Et puis bon, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bah à très vite, merci tout le monde.